Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM. Jean Castex, bonjour. Bonjour, merci de nous faire l'honneur de votre visite sur RFM. Dites-moi pas que c'est monsieur Obispo qui est ici dans vos studios. Si. Bougre, je suis fan. On a tellement de points communs. Déjà, il est du sud-ouest comme moi, même si les gens du sud-ouest préféreraient que je vienne d'autre part. N'importe quoi. Ensuite, avec monsieur Obispo, on est né la même année. Non. Si. Non, c'est impossible. On a du mal à y croire. On a le même âge, c'est que vrai? Voulez-vous. Sérieusement? Oui, sérieusement. Vous regarderez sur Wikipédia. Okay. Tout le monde ne peut avoir du style, du charisme et bien chanter comme moi. Attendez, monsieur Obispo, il faut absolument que je dise à Jean-Michel Blanquer que vous êtes là. Jean-Mich, regarde qui c'est qui est là. Bonjour à tous. Alors, si je fais bien le compte dans le studio, Pascal Obispo, Jean Castex, Paul, le réalisateur d'RFM, et moi-même. Cela montre que mon plan secret pour que les chauves prennent le contrôle du monde poursuit son cours. Et je vous en félicite, mes frères. Frérot. Ma félicitation à vous. Sinon, l'édition 2021 de l'opération Moi sans tabac a commencé hier. Et vous voulez justement intervenir à ce sujet, Jean-Claude Van Damme. Bonjour. Oui, bonjour. Au revoir. J'ai du bon tabac dans ta tabatière. Mais t'aurais eu l'air moins con avec une bonne chanson. Entraînement. Bon, Jean-Claude, il est là pour vous donner des astuces. Moi sans tabac, ok? Super. Alors déjà, ce qui est difficile, c'est de résister à la première clope de la journée. Du coup, quand t'allumes la première clope, tu la jettes immédiatement et hop, t'allumes direct la deuxième. Voilà. Super. J'aime la vie. Ouais. Mais ce qui est super, quand t'arrêtes de fumer, c'est que tu pues plus de la bouche. À part au réveil. C'est vrai, tout le monde pue de la bouche au réveil. D'ailleurs, je soupçonne certaines personnes de faire des mini-siestes un peu toute la journée. Il y en a dans leur bouche, c'est tout le temps le matin. Signal plus, signal bert. Chanté. Il y a un peu toi. Ah non, pardon, c'est un peu moi. Excusez-moi. Merci Jean-Claude Van Damme. Et puis Marc-Antoine Lebray a une petite surprise pour vous, Pascal Obispo. Ah, ouais. Vous avez entendu ce bruit? Je ne sais pas si on l'entend. Merci Polo. En fait, dès que vous allez entendre ce son, merci Polo, qui est 2 secondes de retard, c'est qu'il s'agit en fait d'un titre que vous avez écrit, Pascal. C'est parti. Salut les loups. C'est Nikos, salade tomate mais sans l'oignon pendant que je chante, car ça fait mal à Liagas. Pascal, j'ai compté le nombre de CD vendus. Je ne cherche pas à être idéaliste, loup. Mais il n'y a pas un homme qui soit né pour ça. Tout ce talent d'écriture, personne n'est capable de le faire si bien. À part Zizi. Tu veux dire Zinedine, Mika? Non, Zizi, qui chante zen. Tu compliques tout, loup. Et toi, tu... I forgot. Tu me saoules plus que tout le monde. Mycose. Non, ça c'était pour la déconne. Loup, c'est ma liberté de penser. Ok, ben, c'est quoi, je trousse? Non, je trace. Ah, ce silence. Et bonjour à l'animatrice blonde de RFM. Elodie Gossoir, le grand amour de Bertrand. C'est ça. Salut Mika, ça farte. Je suis hyper fan de tes tenues vestimentaires. Ça devait cartonner en 1980. Ah, je t'ai cassé. C'est même une double casse. Cassé. Oh, cassé. Bravo Pascal Obispo. Pour moi, t'es le chanteur idéal. T'es mon millésime. Allez, embrasse-moi. Ah, bravo Marc-Antoine. Bravo. Bravo Marc-Antoine. Merci Marc-Antoine. Sur RFM tous les matins, 8h45, 8h15, le replay en vidéo sur Facebook. Et Pascal Obispo qui est notre invité et qui est fan également de Clara Luciani, qu'on écoute ensemble tout de suite. Voici le reste sur RFM et après on continuera à parler de France, le nouvel album de Pascal Obispo.